J'ai eu de la chance de remporter des très belles victoires, des très belles courses, de travailler pour des grands constructeurs, de bien gagner ma vie. Parce que dans ce milieu-là, c'est aussi une des particularités. Bon, comme à tous les niveaux sportifs, on en vit bien. Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis extrêmement content d'être aujourd'hui en compagnie de Christophe Bouchou. C'est un pilote, une légende. On te définit souvent comme une légende. Tu as gagné beaucoup de courses. 16, si ma mémoire est bonne. Non, j'ai gagné 17 championnats, j'ai gagné 120 courses. 120 courses, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as gagné les 24 heures du Mans. Oui. Tu as gagné le Daytona. Tu as gagné plusieurs courses de Formule 3. Oui, et bah, mes plus grandes victoires, c'est 24 heures du Mans en 93 sur la Peugeot 905, et 24 heures de Daytona en 95 sur une Porsche, et 24 heures de Spa sur une Viper que j'ai gagné deux fois. Et je suis fier de cette performance parce qu'en fait, je suis toujours le seul au monde aujourd'hui à avoir remporté ces trois courses. Donc, on ne court pas dans ce but-là, mais c'est toujours une certaine fierté, quoi. Ça, c'est incroyable. Et tout à l'heure, avant qu'on commence, tu m'as dit que là, tu étais considéré comme quelqu'un à la retraite. Tu as vu beaucoup de choses, tu as eu une grande carrière, tu as commencé jeune. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais voulu qu'on te pose plus souvent? Et je vais te passer ce micro, ça va être mieux pour toi. D'accord. Les questions, oui. C'est vrai que souvent, on pose des questions qui sont attenant au week-end de course, parce que dans le milieu automobile, on a une vie privée et on a une vie publique. Donc, on rencontre les journalistes durant des week-ends de course qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, souvent, les questions tournent autour du week-end et de la compétition. Qu'est-ce qui se passe dans le week-end, la performance, toutes ces choses-là. Mais bon, c'est tant mieux. Par exemple, d'autres domaines, des acteurs, bon, ils sont plus sollicités sur leur vie privée, mais c'est pareil, on n'en sait pas plus aussi réellement sur leur vie privée. À vrai dire, non, j'ai pas de questions particulières que je souhaiterais qu'on me pose. J'aime bien quand on m'interroge sur ma carrière parce que ça me rappelle d'excellents souvenirs. J'ai eu une longue carrière et chaque moment était vraiment fantastique. Je suis plus vieux que toi, mais justement, je sais combien les années passent vite. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que quand on prend du plaisir à faire ce que l'on fait, les années, elles passent à une vitesse juste incroyable, on les voit pas passer. Et puis, on se découvre aussi encore beaucoup de plaisir à faire d'autres choses ou à continuer à faire aussi un petit peu ce que l'on fait d'une autre manière, bien entendu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais à la retraite parce que j'ai 54 ans et notre milieu à nous est lié à une activité physique, mentale. On peut pas le faire comme un acteur peut jouer une pièce de théâtre ou de cinéma jusqu'à 90 ans, quoi. Du coup, quelle est la chose la plus dure que les gens ne savent pas sur la préparation des pilotes? Ça, c'est une bonne question, effectivement, parce que le grand public, souvent, commet l'erreur de penser qu'être pilote automobile, c'est on est assis, il n'y a pas de souci. Bon, même si aujourd'hui les voitures ont extrêmement progressé, notamment parce que bon, moi je suis spécialisé dans le domaine de l'endurance, mais contrairement à la Formule 1 où c'est un cockpit ouvert, le pilote n'est pas soumis à des températures excessives. Or nous, quand moi j'ai roulé un petit peu de partout autour du continent et dans des pays où il fait vraiment très très chaud. Au Japon, au Moyen-Orient, dans des endroits comme ça où on peut déjà avoir des températures qui avoisinent les 50 degrés à l'extérieur, dans la voiture, on peut très bien avoir des 70 voire 80 degrés. Donc, ça demande une condition physique qui plus est parce que les voitures, surtout de l'époque, n'avaient pas d'assistance pour tourner le volant. On avait une boîte à vitesse qui était vraiment en type H, donc il fallait vraiment solliciter énormément. Et puis surtout la contrainte physique de conduire un véhicule dans des virages à 250 km/h voire plus, parce que ce sont des véhicules, quand j'ai gagné Le Mans, la voiture roulait à 375 km/h. Donc le corps, il est sollicité en permanence.
à chaque freinage, on prend plus de 4G. C'est extrêmement sollicitant et pour tout l'organisme. Et puis tout cela répété par le nombre de virages, le nombre de tours. Une course de 24 heures, on va dormir peut-être seulement 3 heures dans ces 24 heures, mais au préalable, il y a eu une semaine aussi également très chargée avec les médias. Oui. La préparation, tout ça. Donc, je dirais déjà avant même de prendre le départ, on est un peu claqué, quoi, en quelque sorte. Donc, les 24 heures du Mans, pour en parler, on est trois pilotes à se partager une voiture. Ça peut paraître beaucoup, peut-être pour certains, mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, on ne pilote pas tous la même durée, quoi. Oui. Alors, dans le temps, il y a eu aussi une réglementation qui a fait pour essayer de limiter pour que certains pilotes n'en fassent pas trop. Moi, il m'est arrivé des années de faire 16 heures. 16 heures de pilotage en 24 heures. Non, on s'arrête, heureusement, on fait des doubles relais, on fait 2 heures, on fait 3 heures de roulage, on descend de la voiture, un autre monte. Mais c'était en 2005, je crois, où il a fait très très chaud au Mans, et à partir de ce moment-là, ils ont demandé la CO, l'association qui organise cette course, obliger les constructeurs à installer une climatisation dans les voitures pour pas qu'ils fassent plus de 20 degrés. Mais enfin, autant dire que c'est un peu une bêtise, parce qu'ils mettent une sonde à un endroit, ils mettent une sorte de capteur où il y a une aération. Donc à cet endroit-là, oui, on aura 20 degrés, mais à d'autres endroits, on aura plus que cela. Oui. Mais toujours est-il, ça aide quand même malgré tout, parce que les constructeurs ont travaillé pour développer une meilleure température, plus confortable pour le pilote. Oui. Mais avant cela, il y avait rien. Et là, on se retrouve avec cette année-là, justement, en 2005. Il a fait tellement chaud que de nombreux pilotes sont tombés malades, et les médecins ne laissaient plus rouler les pilotes. Donc, du coup, ben, moi, je roulais avec deux Russes et j'en avais deux qui étaient malades. Donc, ça a été assez compliqué. Wow. Et du coup, tu parles de préparation. Vous roulez dans des conditions extrêmes. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Je sais plus ou moins comment se peut se préparer un danseur, comment peut se préparer un basketteur, un footballeur, comment est-ce qu'on se prépare quand on est pilote? Alors en fait, Léo, je parle avant 2000, les voitures que j'ai pilotées, certaines comme des Viper, avaient un moteur à l'avant, donc un genre, une sorte de V10 avec des échappements qui traversent, boîte à vitesse, qui traversent l'intérieur du cockpit. Mm-hmm. On avait des températures qui étaient complètement dingues. Mm-hmm. Je sais que j'avais fait pas mal de sauna, ça peut paraître bête, mais enfin, si on rentre dans un sauna et qu'on reste une minute et demie, qu'on tient pas, le corps a une certaine accoutumance en fait à la température, donc j'en ai fait pas mal. Et à cette période-là, j'allais souvent faire des courses en Asie, et je m'étais surpris à quand j'allais dans des saunas, à pouvoir tenir relativement longtemps, parce que quand on rentre dans un sauna, souvent il y a un peu une compétition, comme ça il y a le compteur qui tourne. Et puis les gens, ils sont là, ils transpirent, et puis ils disent c'est lequel le premier qui va sortir, quoi. Et j'étais moins sensible que les autres à cette température, je m'en sortais mieux. Et déjà, c'est un des premiers points, c'est de pouvoir encaisser la température, après pouvoir exercer des mouvements physiques dans cet environnement. Oui. Là, c'est encore autre chose, parce que évidemment, vous transpirez encore plus, vous fatiguez plus, vous respirez mal. C'est pour expliquer ça. Oui, l'histoire du sauna, c'est parfait. C'est comme si on vous mettait un sèche-cheveux dans le nez, alors que vous êtes déjà dans une température ambiante de 40-50 degrés, quoi. Vous êtes complètement asphyxié rapidement, quoi. Oui. C'est très très dur. Wow. Ouais, Et du coup, la préparation, c'est bon, du sauna. Est-ce que vous faites des pompes? Est-ce que vous faites des jogging? Oui, bien sûr. Bon, je parlais du sauna, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de sport. Bon, j'en ai toujours fait dans ma vie. Mm-hmm. Mais justement, quand c'était l'été, qui faisait des températures incroyables, tout ça, j'allais courir, j'allais faire un peu de vélo. Mm-hmm. À ce moment-là, je ne cherchais pas le moment où il y avait de la fraîcheur, mais je cherchais le moment où il y avait énormément de grosses chaleurs, justement, pour me mettre dans des conditions comme ça. Il y a aussi une chose, c'est que souvent succès appelle, on a des obligations et on a succès appelle un peu le succès, donc c'est on a trop de choses à faire, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on doit faire. Ouais. Et du coup, c'est aussi la préparation qui où il manque du temps. Mm-hmm. Parce que vous devez rebondir dans un truc, vous arrivez d'une course, mais bon, il faut aller faire autre chose, quoi. J'ai écouté une interview de deux gars, de deux pilotes, je sais plus leur nom, et ils disaient que vous étiez la personne que les pilotes détestaient le plus. Oh la vache. En fait,
pour expliquer peut-être ce que vous avez entendu, mais ça serait intéressant de savoir qui c'est, parce que, bon, la plupart du temps, quand on a un certain palmarès, quand on a une certaine réussite, on est mal vu, clairement. Donc, si cette personne, je peux déjà dire, je suis à peu près certain que cette personne n'a pas de palmarès. Ouais. Parce que entre les gens qui ont eu de la réussite, on se respecte. Mmh. On a tous des comportements différents. Ouais. Moi, c'est vrai que j'étais un petit peu différent des autres. Les autres avaient besoin de se réunir, d'aller manger ensemble. Ouais. Moi, j'étais très privé et il y avait ma famille et je savais très bien que les gens qui étaient avec moi sur le circuit, c'était pas ma famille. J'étais là pour travailler avec eux, mm-hmm. pas pour être ami, ouais. mais pas pour être ennemi. Hein. Ouais. Hein, j'ai eu quelques conversations comme ça avec des personnes. Il n'y a aucune personne qui peut dire que j'ai utilisé un mot d'enfant, mais je n'ai jamais été méchant avec qui que ce soit, quoi. Mm-hmm. Ni même incorrect. Simplement, je ne me mêlais pas au groupe, en quelque sorte, quoi. Oui. Et comme j'avais de la réussite, bah, certains, peut-être, l'ont mal perçu. Mais attention, j'ai une des plus belles carrières. Il y a des, comment dirais-je, certains médias, notamment encore aujourd'hui, un média qui s'appelle Endurance Info l'a écrit récemment que j'avais un des meilleurs palmarès, sinon le meilleur palmarès des pilotes de GT au monde. Mm-hmm. Mon palmarès, il suffit de le lire, hein, bon, pour comprendre que j'ai été de partout, que j'ai été sollicité par toutes les équipes. Mm-hmm. Et ce travail-là, on le donne pas à quelqu'un qui est incorrect, qui serait détestable ou quoi que ce soit. Après, évidemment, un petit peu comme entre guillemets une star que j'étais quand je faisais ça, bon, bah, on a aussi des exigences, tout ça. C'est vrai que quand je pilotais, bah, je voulais que les choses soient faites aussi à ma manière, mais bon, la plupart du temps les équipes s'y sont retrouvées aussi, voilà. Donc non, mais ça de toute façon ça m'amuse. Et puis aujourd'hui encore, il suffit pas d'être pilote, hein, pour être diviser les gens. Mais si on veut rassembler tout le monde, franchement, à mon avis, je sais pas ce qu'il faut faire, peut-être un homme politique et puis mentir à tout le monde. C'est-à-dire il faudrait dire que tout le monde est magnifique, que tout le monde est beau, et puis derrière chercher à faire totalement l'inverse. C'est ça, plaire aux gens, en fait. Mais il faut surtout pas dire la vérité, dire les choses telles qu'elles doivent être faites ou dites. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je n'ai jamais cherché à plaire aux gens. J'ai, comme je l'ai dit, j'ai ma vie privée qui est relativement stable. Je suis marié depuis 25 ans, j'ai deux enfants. Souvent, ça aussi, ça m'amuse, parce que bon, tous ceux qui sont là à donner des bons conseils, ils en sont à leur quatrième femme, oui. ou ils en ont pas tout court. Enfin bon, ouais, mm-hmm. je me sens pas de toute façon dans l'obligation de répondre à ça, mais ça m'a toujours un petit peu, amusé, mais pas du tout dérangé, au contraire, parce que c'est certainement mieux qu'on parle de vous ainsi, oui. plutôt qu'on ne dise rien. Vous savez, ça, c'est les grands-mères qui disent ça, mais c'est loin d'être faux, tout ça. Et c'est un bon marketing aussi. Mais oui, bien sûr. Donc, les gens, quand on avance dans le temps, quand on vieillit, on se rend compte que tout est fait à base de jalousie. Et les gens vous jalousent. Et alors, vous avez une jolie femme, vous avez une belle voiture, une belle maison, bah, c'est bon, voilà. Vous en avez suffisamment pour qu'on vous jalouse, quoi. C'est quelque chose. Mais là, bon, il y a quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans ces industries, un peu où nous sommes des célébrités. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir de vrais amis. Est-ce que vous, votre réussite, vous avez quand même gagné vos premiers prix relativement jeunes? Est-ce que vous avez eu l'impression que vos relations ont changé, ou est-ce que vous avez réussi quand même à avoir des amis qui ne sont pas dans le show business et qui n'ont aucun intérêt? Oui, alors bon, ce qu'il faut bien en fait comprendre, c'est que moi, dans mon domaine moi j'ai commencé, j'avais à peine 14 ans, oui. par le karting. Et puis évidemment là j'étais à l'école, donc j'avais une vie à petit peu près normale comme un jeune de cette époque. Mais malgré tout, je commençais à faire beaucoup de karting, quasiment tous les week-ends j'étais sur la piste, mm-hmm. à piloter. Donc ça veut dire aucune réelle vie sociale comme un jeune doit avoir à cet âge-là, parce que on peut pas sortir, on peut pas faire ce qu'on devrait faire à cet âge-là, parce qu'il faut se coucher tôt, parce qu'on est sur une piste de cartes à travailler, tout ça. Mm-hmm.
Et puis c'est aussi un petit peu au détriment des études, parce que il y a un moment, forcément, être tout le temps sur les pistes, vous êtes un petit peu moins aussi à l'école, donc alors bon ben forcément vous n'avez pas forcément de la réussite dans ce domaine là mais bon, j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire et de me donner toutes les chances d'y réussir. Mais ensuite, quand je suis passé à la course automobile, ça s'est même encore accentué, puisque je dirais que quasiment 15 années de ma vie, j'ai été environ 200 jours à l'année à l'hôtel, quoi. Donc j'étais tout le temps dans un avion, j'étais à l'hôtel en permanence, j'ai énormément voyagé, c'est une vie vraiment particulière, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, quand ça, tout ça sera ralenti, on se découvre une nouvelle vie. Des fois, bon, au début, c'est un petit peu flippant, je dirais, parce que, comme je l'avais déjà expliqué à un journaliste, c'est que bon, on n'est pas préparé au succès finalement, quoi. Ouais. Quand on est jeune, il n'y a pas d'école pour ça. Ouais. Et ça vous tombe dessus, et puis il y a énormément de choses à faire. Ouais. Vous savez pas trop comment vous y prendre. Mm-hmm. Mais bon, quand vous êtes dans la spirale du succès, bon, tout vous réussit, vous faites des trucs, n'importe quoi, mais boum, ça marche, quoi. Ouais. Donc, j'étais dans cette spirale de nombreuses années. J'ai eu de la chance de remporter des très belles victoires, des très belles courses, de travailler pour des grands constructeurs, de bien gagner ma vie, parce que dans ce milieu-là, c'est aussi une des particularités. Bon, comme à tous les niveaux sportifs, on en vit bien, mais bon, moi je suis issu d'un milieu simple, pas défavorisé, mais pas favorisé. Pour moi, c'était pas non plus, je faisais ça dans un but de victoire, pas dans un but de richesse ou même de célébrité, parce que certains, c'est ce qu'ils recherchent, mais moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai jamais cherché à me mettre dans la lumière face à des médias, bien au contraire. J'étais toujours celui qu'on appelait au dernier moment, qu'on rappelait plutôt pour venir, etc. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était les courses, faire les courses et les gagner, quoi. Voilà. Ça peut me permettre de revenir sur la base. Moi, je sais que la personne qui m'a donné envie de me mettre dans l'industrie de la musique, c'est Michael Jackson, étant enfant. Ça a été vraiment un déclic. J'ai fait waouh, c'est ce que je veux faire. Comment ça s'est passé pour vous pour la course? Oui, c'est pareil. On Michael Jackson aussi? Non, non, le moonwalk. Non, c'est pas Michael Jackson. Même si évidemment, j'ai un immense respect pour ce qu'il a fait. Il fait partie des artistes. Musiciens, compositeurs jusqu'aux chanteurs qui définitivement laisseront une empreinte à tous les niveaux, parce que dans son domaine musical. Mais vous parlez de la musique, c'est drôle, parce que en fait, quand j'étais gamin, j'avais deux passions, c'était aussi la musique. Et à l'époque, peut-être mes parents pensaient que j'étais fou parce que je voulais être chef d'orchestre. D'accord. J'aimais beaucoup le classique. Alors bon, dans un contexte à l'époque, c'est pareil, parce qu'un jeune, bon, évidemment, de toute époque, il y a des jeunes qui s'intéressent au classique, la musique classique, même si aujourd'hui, ça peut paraître encore un petit peu plus incroyable qu'autrefois, mais la musique m'a toujours inspiré énormément, et j'écoute énormément de musique, et j'y trouve beaucoup de force dans la musique. Donc, ça continue, ça m'a jamais quitté. Oui, j'ai eu bien sûr des pilotes pour modèle, je crois que le premier, c'est comme pour beaucoup, c'est Fangio, qui a été un des premiers vraiment en tant que champion du monde de Formule 1 à laisser son empreinte, un nom célèbre, mais aussi souvent les pilotes qu'on garde en mémoire, c'est pas forcément ceux qui ont gagné le plus grand nombre de courses de l'histoire, mais c'est aussi parce que l'homme lui-même avait une personnalité, avait une qualité. C'était le cas de Fangio, même si je l'ai jamais rencontré ou connu. Et puis Niki Lauda, que j'ai rencontré par contre. Et pareil, il a vécu aussi une expérience complètement incroyable. Je connais bien son fils également, Mathias,
Pour Niki, Loda, c'est une personne qui a eu un succès incroyable, mais il a eu aussi des accidents, comme bon nombre de pilotes, y compris moi. Un accident incroyable où il a brûlé dans sa voiture, de la tête aux pieds. Il a été hospitalisé, on l'a soigné, enfin un tas de trucs. Le coma des mortels aurait eu le temps de mourir 1 million de fois. Bon, là, il est revenu et en plus, il a été encore champion du monde après, quoi, après ses blessures. Donc forcément, ça pousse au respect. Et puis, une très très belle réussite à la fois pendant sa carrière, mais aussi après sa carrière, hein, puisqu'il a mis en place cette compagnie aérienne Loda qui continue, qui perdure, qu'il a revendue. Mais voilà, donc puis aussi il y avait les 24 heures du Mans et notamment avec Jacques Hicks qui à ce moment-là était une des références de cette course-là. Voilà, je dirais ces trois pilotes qui m'ont marqué quand j'étais gamin, qui m'ont un petit peu donné envie de m'intéresser à la course. Et contrairement à beaucoup étaient ne voyaient que la Formule 1, mais dans ces années-là, les années 80, la Formule 1 n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. À cette époque-là, les 24 heures du Mans, c'était une course qui était, même avant les années 80, les 24 heures du Mans étaient une course qui était encore plus populaire que la Formule 1. Et c'était vraiment une course d'hommes, une course difficile. Moi, c'est ce qui m'a attiré vers la course automobile. Et puis après les années passant, bon, j'ai eu la, je me suis retrouvé au volant de la meilleure voiture une année en 93 avec Peugeot. J'ai gagné cette course, mais c'est totalement incroyable parce que c'est des rencontres, c'est un tas de trucs qui n'étaient pas prévus vraiment. Et puis de fil en aiguille, comme ça, on en vient à être au bon endroit au bon moment, je dirais, quoi. Mais quelque chose qui est assez inédit, c'est que vous n'avez pas grandi dans une famille de pilotes. Comment est-ce qu'on a la détermination de devenir professionnel? Oui, alors bon, moi, ça avait commencé un petit peu mal parce que quand un peu vers l'âge de 12-13 ans, j'ai eu un très grave accident. Et ça m'a retiré quasiment une bonne année de tout le système scolaire, tout ça. Donc, carrément, j'étais entre la vie et la mort quelque temps. Et surtout, j'avais, pour beaucoup, j'avais perdu l'efficacité de mon bras droit, enfin un tas de trucs, enfin c'était mal engagé, quoi. Donc, en fait, en vacances comme ça, en Italie, avec mes parents, on s'est retrouvé à Parme, proche d'une piste de karting. Et puis mes parents m'ont dit, tiens, tu voudrais pas faire un peu de kart? Et puis il y avait plein de gens qui faisaient des karts comme ça sur une très belle piste, une des plus belles au monde à cette époque et qui encore aujourd'hui une très belle piste. Et j'ai monté pour la première fois sur le kart et j'ai doublé tout le monde, quoi. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais comment tu fais ça? Bah, je dis, je sais pas. Donc ça a été un don de base, ça a été une Je connaissance sais de base. pas, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir tout de suite, et puis ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, il a l'air de prendre du plaisir. Et je crois que non, ça a été fait dans le sens où, voilà, je commençais à reprendre goût à la vie, parce que j'ai encore aujourd'hui 17 cm de cicatrices derrière le crâne, enfin bref, je me suis à peu près tout pété sur le corps, donc bon, pas que à cette époque-là, mais enfin, j'ai toujours été un petit peu style de vie, un peu. À prendre des risques. Donc ils se sont dit, bon bah tiens, on va lui offrir un kart, on va commencer. Alors le karting coûtait quand même de l'argent aussi, mes parents ont pu me permettre de débuter là-dedans, parce qu'évidemment, moi j'étais gamin, j'avais zéro sou, mais rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune qui veut faire du kart, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire des courses amateurs, quoi. Alors qu'à l'époque, on achetait un truc, on le mettait dans le coffre de la voiture, 20 litres d'essence, et puis on allait rouler des semaines, quoi. Donc, c'est un temps révolu. Mais bon, bref, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis tout de suite, j'ai eu du succès, quoi. Ma première course, je l'ai gagnée, quoi. Mais comment ça se passe du coup? On va dans une école pour devenir pilote? Est-ce qu'on a des bourses? Parce que je sais que ce sont quand même des. C'est de la course, donc il y a des équipes peut-être, il y a du matériel, il faut la voiture, ça doit coûter cher. Comment est-ce que ça se passe? Alors, en fait, moi, j'ai commencé par le karting. Mes parents m'ont financé.
Alors ça coûtait de l'argent, à un niveau international tout ça, j'étais limité, je pouvais pas rouler non plus partout parce que bon, mes parents ne pouvaient pas financer ça, mais très vite, j'ai dû faire 8 années de karting. Et disons, les 5 premières années, mes parents ont financé, et puis les dernières années, les 3 dernières années, c'est les équipes pour qui je roulais qui me finançaient, mais je n'étais pas rémunéré pour rouler. Mais là, ça commençait déjà à coûter pas mal d'argent. Donc, mais ensuite, le plus difficile était encore à faire, parce que, par contre, passer du karting à la course automobile, là, il y a encore un très gros step, quoi. Et là, ça coûte énormément d'argent. Comment est-ce que vous avez fait? Voilà, ben là donc pour répondre à votre question, c'est qu'il y a des écoles de pilotage qui existaient à l'époque, mais autant dire qu'on était nombreux, hein. J'ai gagné l'école de pilotage de Montlhéry, donc au sud de Paris, qui était à l'époque financée par des sponsors qui étaient en Formule 1 avec Larousse. Et on était plus de 400 à être inscrits cette année-là dans cette école. Et j'ai remporté cette école de pilotage qui offrait en fait une année une saison gratuite en Formule Ford. Donc, et j'ai commencé d'emblée très fort parce que j'ai failli être champion. J'aurais dû être champion de France dès la première année de Formule Ford. Je finis second parce que l'équipe m'a demandé de laisser gagner mon coéquipier. Mais ça peut paraître prétentieux, mais ça a été fait. Comment dirais-je? Enfin, tous ceux qui ont suivi et qui connaissent la course de cette année 1988 en Formule Ford, savent très bien comment ça s'est passé et ça s'est réalisé comme ça. L'équipe m'a demandé parce que en fait, qui voulait que je reste une année de plus en 89 avec eux pour gagner le championnat. Et leur pilote qui avait déjà une année de plus que moi, qui était Eric Ellary, devait gagner le titre sa deuxième année pour ensuite passer, parce qu'en fait en course automobile il y a plusieurs étapes. Il y a les formules de promotion qui étaient à l'époque la Formule Ford ou la Formule Renault, ensuite la Formule 3, la Formule 2 et la F1. Donc là, lui il était dans sa deuxième année, moi j'étais dans ma première année. Donc si je gagnais la première année, je ne pouvais pas refaire l'année suivante la Formule Ford. Donc il y avait un problème, il se retrouvait sans pilote. Donc il m'a dit, nous on veut te garder, mais il faut pas que tu gagnes cette année. Je savais pas que ça se passait comme ça. Ah, mais bah, si, si. Oui, échec dans la oui, botte oui, parfois. oui, oui. Ok, ça se passait comme ça. Et donc on m'a demandé, notamment à Montlhéry, j'ai un peu mal fait parce que en fait je buguais, on me gueulait dans la radio. Christophe, ralentis, ralentis, il faut que tu le laisses passer. Et puis j'arrivais pas à me décider. Et puis au dernier moment, j'ai compris que j'allais peut-être faire une connerie de pas le laisser passer. Du coup, j'ai carrément arrêté la voiture sur la ligne d'arrivée, 1 mètre avant la ligne d'arrivée. Alors, Donc vous avez pas perdu sans faire esprit, en essayant de cacher que c'était. Ben oui, en même temps, c'était peut-être pas excellent, mais c'était pas calculé. C'était vraiment, j'arrivais pas à me décider, quoi. Et puis à un moment, quand j'ai vu la ligne d'arrivée, j'ai dit bon, ben maintenant, il faut faire quelque chose, quoi. Donc j'ai fait ça. Donc en tout cas, tout le monde a bien compris que voilà, il y avait des instructions et que j'aurais dû gagner ce championnat. Bref, et au final, je suis pas reparti une année avec eux parce que j'arrivais plus à comment dirais-je, j'avais plus envie de partager ma carrière sportive avec eux. Donc finalement, j'aurais dû gagner. Mais quand on est jeune, on sait pas trop. Moi, j'avais pas de coach, je savais pas trop comment ce qu'il fallait faire. Voilà. Le film, on peut le refaire 1000 fois. Hein. Bien sûr. C'est facile, une fois Bien qu'on sûr, est c'est facile. tranquille, voilà, de dire on peut faire comme ci, on peut faire On comme peut faire ça. ça, Bon, c'est vrai. globalement, je m'en suis pas mal sorti, je suis satisfait. Voilà, là, j'ai gagné cette école, c'est comme ça que j'ai démarré, parce que sans quoi, si je gagnais pas cette école de pilotage, là, la course, j'en aurais jamais fait, ça c'est sûr. Waouh. Et quelle est la chose la plus importante que vous apportez vos différents coachs? J'ai pas compris la question. Quelle est la chose qui vous a apporté, que vous avez pu apprendre vraiment, quel a été le rôle de vos différents coachs? En fait, j'ai jamais eu de coach. Jamais eu de coach? Non, parce que oui, effectivement, une école de pilotage, on peut considérer qu'on est là, qu'on nous apprend à piloter. Mais en fait, non, on nous apprend pas à piloter. On est juste dans un système où. On appelle ça une école de pilotage, on devrait plutôt appeler ça un concours de pilotage. Parce que, bien sûr, j'avais pas la prétention de dire qu'à ce moment-là, je savais c'était une Formule Ford, que ce qu'était une Formule Ford, tout ça. Mais ça peut paraître bizarre, mais on agit avec un instinct vraiment animal, quoi. Quand on pilote, on n'a pas le temps. Il faut réagir au dixième de seconde. On
on peut expliquer un tas de trucs, bien sûr, mais les meilleurs pilotes le savent très bien. On n'a pas le temps de penser à 300 km/h. On ne peut pas dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans le virage suivant, là, si y a un lièvre qui traverse la piste ou je sais pas quoi. Boum, il faut l'éviter, quoi. Mais on peut pas se dire, tiens, c'est la page 17 de mon lexique, là, qui me dit branche l'antipatinage, je ne sais quoi. Non, non, en fait, on est complètement dans un autre monde, je dirais presque. Et là, c'est au millième de seconde, il faut réagir. Et est-ce que l'instinct, la réaction, la bonne réaction, ça s'entraîne? C'est quelque chose qu'on peut développer? Oui. Aujourd'hui, les pilotes, on les voit, quand on regarde la Formule 1 aujourd'hui, on les voit même se préparer sur la pré-grille avec des balles de tennis dans les mains ou je ne sais quoi, avec des coachs. Aujourd'hui, moi, je suis d'une génération où ce mot fait un peu rigoler, quoi. Mais parce que aujourd'hui, on peut pas concevoir de faire quoi que ce soit sans un coach, quoi. Il faut un coach à tout, il faut un coach pour le coach. Oui, c'est marrant. Un coach pour le coach, oui. Mais bon, bien sûr, parce que c'est un métier, de toute façon, ces gens qui sont spécialisés, qui sont là pour aider, bon, je ne dis pas qu'ils le font mal, au contraire, ils connaissent bien, ils savent bien expliquer les choses, mais il y a un monde énorme entre la théorie et la pratique. Et les choses les plus difficiles à expliquer, c'est passer une courbe à 250 km/h, on ne sait pas l'expliquer à un coach. Il n'y a aucun coach qui peut expliquer ça. Oui, prendre un virage à 60 km/h, décomposer le virage en 3, 4 points, faire des choses précises, tout ça, bien entendu. Mais le pilotage en lui-même, c'est un ensemble de choses, et soit vous avez une disposition, soit vous l'avez pas. Alors aujourd'hui, les voitures, elles sont aussi beaucoup plus faciles à piloter, donc ça permet à de nombreux pilotes de pouvoir de lisser un petit peu, je dirais, les performances entre les très bons et les bons. Autrefois, les voitures étaient tellement compliquées à piloter, tellement dangereuses aussi, que entre un très bon et un bon, il y avait un monde, quoi. Le bon, il était mauvais, en fait, quoi. Donc ouais, mais vraiment. Alors qu'aujourd'hui, tout doit être policé à l'image de la société. Donc les voitures en performance sont à la fois beaucoup plus, enfin un peu moins performantes en termes de mais surtout plus faciles à piloter. Avec des aides au pilotage comme le traction control, l'assistance, le SR, l'ABS, et j'en passe, l'air conditionné, toutes ces choses-là. Autrefois, il n'y avait rien de tout ça. Autrefois, quand on tournait le volant, c'était 100 kilos pour tourner le volant, quoi. Le levier de vitesse, le moins de petits surrégimes, on cassait le moteur. Aujourd'hui, on peut plus faire de surrégime parce qu'on a les palettes au volant. Si vous rétrogradez trop tôt, le rapport va pas s'engager. Donc il y a plein de petites choses comme ça, mais bon, pour gagner une course, il faut déjà respecter sa voiture, quoi. Donc autrefois, c'était vachement facile de la casser, quoi. c'est hyper puissant ce que vous dites, notamment tout ce qui est lié à la nouvelle technologie, à toutes les choses qui font que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, d'être pilote aujourd'hui. Est-ce que si vous aviez, je sais pas, si vous étiez à l'âge de piloter, vous feriez quelque chose de différent aujourd'hui? Oui, certainement. Aujourd'hui, les pilotes travaillent énormément sur simulateur. Okay. Avant d'aller sur une course, ils sont de toute façon assis dans un simulateur non-stop, quoi. Okay. Hein, ils ont un simulateur chez eux et puis ils sont là à travailler, j'allais dire des heures, non, des jours, des semaines, des mois, toute l'année, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez du simulateur? Ah oui, c'est très bien parce que ça... Alors, il y a simulateur et simulateur, bien entendu, mais même si on s'assoit derrière son écran de télé avec un simple petit, presque une sorte de jeu vidéo, c'est déjà pas mal parce qu'aujourd'hui, il y a une telle réalité dans ces systèmes-là que c'est visuellement déjà intéressant de savoir... comment le circuit, le prochain virage est un virage à droite, l'autre à gauche, à peu près les vitesses, les dénivelés, toutes ces choses-là, parce qu'il faut pas oublier que moi j'ai piloté, j'ai fait la première course en Chine en 1994, j'ai fait des courses à la fin des années 80 à Macao. Tous ces pays, déjà, ils voyageaient sans faire de course, déjà, on risquait sa vie. J'ai fait des courses en Allemagne de l'Est. Je suis allé de partout dans des pays vraiment totalement instables.
et le téléphone portable n'existait pas, Internet bien entendu n'existait pas. Quand on partait, c'était une vraie excursion, on disait au revoir et on revenait 10 jours après. Et je parle pas quand on était malade ou si on avait un pépin physique, parce que là on pouvait vous couper le bras pour la jambe. Et je plaisante pas, j'ai vu des trucs complètement incroyables, franchement. Et voilà, donc même si de ma génération, c'était pas la génération des pilotes que j'ai cités, Fangio, X, Loda, parce que là, là c'était encore plus grave. Mais il y a eu une évolution qui était vraiment importante. Mais aujourd'hui, les jeunes pilotes, ils ont perdu cette notion du danger, parce qu'ils sont assis en permanence dans leur living room à faire du simulateur, et ils savent pour la plupart pas ce que ça fait de se prendre un mur à 250 km/h. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai pris 52 G dans le corps, je sais ce que ça fait, et pas qu'une fois, merci. On n'a pas envie de le refaire, quoi. Donc voilà. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez fréquent dans votre milieu. Notamment, moi je pense, parce que j'avais regardé un documentaire sur ça, sur Ayrton Senna et son accident, c'était en 1994, oui. Le 1er mai, ou le 2 mai, non le 2 mai, je crois. Et je voudrais savoir, est-ce que ça a eu un impact sur vous? Est-ce que vous avez commencé à questionner les choses, à vous dire peut-être que c'est trop dangereux, que je devrais peut-être un peu me retirer? Comment ça s'est passé mentalement? En fait, dans la course automobile, bon, bien sûr, Ayrton Senna, quand il s'est tué à Imola, en plus, c'était un week-end vraiment compliqué, parce que la veille, Ratzenberger s'était tué. C'était un ami à lui aussi en Formule 1, et tout le monde le sait, Ayrton Senna était un peu un pilote qui était très spiritueux, comme ça, qui croyait en Dieu, en des choses comme ça, que il était assez mystique, et on a pu le voir, il y a de nombreuses vidéos qui le montrent avant la course, qui montrent qu'il n'était pas dans un état totalement normal, et peut-être que toutes ces choses se sont engendrées justement ce week-end catastrophe. On ne sait pas expliquer comment deux pilotes arrivent à mourir le même week-end en l'espace de moins de 24 heures comme ça, au même endroit. Bien. Mais bon, le problème, c'est une pièce mécanique qui lâche, et vous êtes que passager, hein. Moi, je sais que quand je roule au Mans à 350 km/h dans une voiture, c'est comme si vous êtes assis dans un cercueil, hein. Clairement, parce qu'à cette vitesse, si on vous jette dans un mur, la plus célèbre des images au Mans, c'est la Mercedes qui s'envole. Tout le monde l'a vu, c'est ma voiture. Moi, j'étais pas à cet instant dans la voiture, mais en 1999, cette voiture a roulé 6 heures au Mans. Moi, j'en ai fait 4. Le pilote qui était au volant à ce moment-là, Peter Demrek, c'était son premier tour. Donc, ça aurait pu m'arriver mathématiquement. C'est moi qui aurais dû vivre ça. Et bon, il a rien eu, parce qu'aujourd'hui, les voitures de course, c'est tout le contraire des voitures de route. Les voitures de route, aujourd'hui, elles sont faites pour se déformer, pour encaisser, absorber le choc, pour que le corps, lui, il reçoive une décélération un petit peu moins importante, quoi. Les voitures de course, c'est tout le contraire. Les voitures, c'est des tanks, en fait. C'est fait pour déformer le reste, quoi. Et on pourrait pas, je suis en train d'inventer le monde parce que je connais pas cette industrie, on pourrait pas créer des voitures plus sûres, et à l'instar de celles qui vont sur l'autoroute? Ça, c'est une question d'enfant innocent. Non, mais en fait, ce qui se passerait, c'est que la voiture, elle se refermerait sur le pilote. C'était le problème des voitures d'autrefois, c'est-à-dire que les châssis étaient tubulaires. Maintenant, on a des châssis carbone, donc c'est indéformable. On pourrait les jeter d'un avion, ils rebondiraient qu'il faut au sol, mais ils seraient toujours là, ils seraient pas cassés. Alors qu'un châssis tubulaire, lui, il se déformait, il se cassait. Enfin, il se refermait sur lui-même, comme ça, il emprisonnait le pilote à l'intérieur, et du coup, c'était ça qui le blessait mortellement. Sans parler du feu, parce que, enfin, il y a eu une telle évolution que ça pourrait prendre des semaines à tout expliquer, mais autrefois, on avait des réservoirs à essence, qui étaient des réservoirs en métal. Enfin, c'est pour ça que quand on voit les vieux films américains, les voitures qui explosent comme ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, parce que tous les réservoirs sont plus en métal, ils sont en caoutchouc. Et puis, il y a des soupapes de pression, des choses comme ça, qui empêchent que le truc il gonfle et qu'il explose. Autrefois, ça n'existait pas, toutes ces choses-là, on ne savait pas, même les vêtements ignifugés ou les casques. Si on remonte bien avant,
ou même les ceintures de sécurité, les Hans. Je fais partie des pilotes qui ont. J'ai eu un gros, très gros carton. On trouve encore quelques vidéos sur Internet à Spa. Autrefois, on n'avait pas de Hans. Le Hans, c'est un truc qui s'attache sur le casque, okay, et qui est sous la ceinture, comme ça, qui empêche en fait d'avoir le coup du lapin, comme ouais, ça, mais aussi quand on freine. Ouais. Et aussi en latéral. Et ça a permis de sauver un nombre de vies incalculable. Et en fait, chaque pilote qui a eu un accident très sévère a permis l'évolution du sport automobile, parce que la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, est là pour justement examiner à chaque fois qu'il y a un problème très grave, voir ce qui pourrait être amélioré. Et pour cela, ils font un job fantastique. Mm-hmm. Mais après, on en vient à des courses un petit peu, des fois un peu trop sûres. Et ça fait une course, on le voit, pour reparler de la F1, parce que c'est le milieu le plus médiatisé, on voit des pilotes qui se doublent à droite, qui se doublent à gauche, tout ça. Il y a un moment, tout est possible, parce que, je veux dire, si on veut doubler un pilote, on peut très bien le faire, et après on va perdre du temps à la sortie du virage, mais on pourra le doubler sur les freins. Oui. Donc un peu comme une partie d'échecs, on peut faire un tas de trucs, mais bon, il ne faut pas oublier quand même qu'on n'est pas assis derrière une table et qu'on est dans une voiture à rouler à une certaine vitesse, et que ça peut être dangereux. Et moi, de ma génération, j'ai connu de nombreux pilotes enfin plusieurs pilotes qui sont décédés, quoi. Donc dans des accidents, même aux 24 heures du Mans, c'est arrivé plusieurs fois. C'est des choses, on vit avec, et c'est évidemment, si on perd la foi dans ce que l'on fait, ou si on commence à avoir peur, on peut plus le faire correctement, quoi. Parce que donc vous êtes conscient du risque, mais vous n'êtes pas... Bah, tous les pilotes, je pense, disent la même chose, c'est qu'en fait, on est prêt à mourir, quoi, quand on fait ça. Oui, oui, complètement. Parce que c'est tellement dangereux que si on commence à analyser ce que l'on fait, on se dit non, il faut arrêter, quoi. Surtout si c'est un sport d'instinct, où il faut être spontané. C'est extrêmement dangereux. Ça serait équivalent à prendre une moto, zigzaguer entre les voitures à 150, 200 km/h, on sait bien qu'on risque de se faire mal. ça peut piquer. Waouh, c'est fou. Et je voudrais quand même qu'on parle de quelque chose de plus positif. 1993, victoire des 24 heures du Mans. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Tout. Ok. Non, mais c'est pas le plus beau jour de ma vie, non. Mais c'est, en tout cas, au niveau de ma carrière, c'est le plus belle course de ma carrière, c'est certain, parce que en fait, les 24 heures du Mans, c'est d'abord les 24 heures du Mans, la course des 24 heures du Mans. Mm-hmm. De partout sur la planète, on peut parler de cette course avec n'importe qui, tout le monde en a entendu parler, même y compris la grand-mère du fin fond de la planète, tout ça. Le Mans, on connaît. Ouais. Bien. Et dans certains pays, gagner les 24 heures du Mans, c'est autant dire qu'on est une légende, quoi. Hein. Mm-hmm. Notamment au Japon, mais partout. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, et encore aujourd'hui, avoir remporté cette course, ça vous donne un immense respect de beaucoup de gens. Mais dans le sport automobile, on peut pas espérer mieux, quoi. Gagner les 24 heures du Mans, ça vous met directement du cap amateur au cap professionnel, quoi, définitivement. Donc tout le monde veut faire cette course, mais pour gagner cette course, c'est l'association d'un nombre incalculable de détails. La première, c'est de pouvoir de piloter pour une usine, parce que seulement les usines, les constructeurs, engagent une voiture qui peut gagner les 24 heures du Mans. D'accord. De toutes les années, depuis que les 24 heures du Mans existent, y a plusieurs catégories dans cette course-là. D'accord. Et seuls dans la catégorie Rennes, ce sont des top constructeurs. Donc, ils n'engagent pas des amateurs, quoi. Ils engagent des pilotes qui rémunèrent des pilotes pros. Donc ça veut dire que on est déjà un très bon niveau de pilotage, et que vous êtes déjà professionnel. Mais des fois, on est professionnel sans pour être reconnu. Moi, c'était un petit peu mon cas, parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 25 ans, et j'arrivais d'un autre domaine, la Formule 3. Et j'étais pas connu dans l'endurance, et j'ai gagné dès ma première participation. Alors certains ont dit ouais, il a eu du bol, mais attention, ça c'est vraiment un idiot de dire ça, parce que gagner 24 heures du Mans, une course ça dure 24 heures, vous roulez
chacun un certain nombre d'heures, donc vous avez au moins 7, 8 heures derrière le volant à pouvoir faire des âneries et empêcher que ce projet se réalise. Donc non, c'est de toute façon, si vous avez été sélectionné par un constructeur pour rouler dans la meilleure voiture, c'est que de toute façon vous avez toutes les qualités pour mener à bien ce projet. Mais bon, ça, c'est un moment incroyable de ma carrière, oui, ça c'est sûr. Les 24 heures du Mans, c'est encore aujourd'hui, j'ai en souvenir, il y a mon chien qui passe, oui. Ah, normalement, il va pas C'est ça, je manger. sens que je dis, est-ce que ça peut pas être une fourmi, ça? Un peu grosse, mais il est pas très gros comme chien. Ah bah, ça y est, on l'entend. Le Mans, c'était magnifique et ça l'est encore toujours aujourd'hui. Franchement, c'est quand je pense à cette époque-là, à cette course, c'est même encore aujourd'hui, je me dis, mais comment on a fait, quoi, presque. Parce que, ouais, franchement, c'est parce que la mécanique, surtout à cette époque-là, aujourd'hui, les voitures sont assez fiables, mais à cette époque-là, il fallait pas grand-chose pour que ça casse, quoi. Hein. Nous, on osait à peine mettre l'essuie-glace parce qu'on savait que l'essuie-glace, il allait marcher 1 heure ou 2. Hein, donc, il fallait s'en servir au bon moment, hein, vraiment quand on en avait Tout était besoin. pensé. Oui. C'était endurance, voiture n'était pas aussi fiable qu'elle n'était aujourd'hui, quoi. Donc, franchement, quand on partait, on savait pas du tout déjà si on allait même passer la ligne d'arrivée. C'était la première des compétitions, c'était avec soi-même, quoi. C'est que la voiture, elle aille au bout, quoi. Ok. Waouh. Et quel a été le moment le plus dur pendant cette course? Est-ce que ça a été une fatigue? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où vous avez dit, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Bah, le non, le, je dirais qu'il n'y a eu que des bons moments. Le moment le plus émouvant, ça a été, enfin, le premier plutôt, c'est à minuit quand je me suis retrouvé au volant, parce que ça fait déjà plusieurs heures, on était P2, P2, puis d'un seul coup je vois P1. Et là je dis, wow, arrêtons, il faudrait arrêter la course, là je suis en tête des 24 heures du Mans, c'est fantastique, mais il restait encore 12 heures à faire et plus. Et j'ai dit, mais bon, bref, je pourrais toujours dire à mes petits-enfants que j'ai été en tête de cette course, ça s'est fait. Et puis après on reste P1, P1, P1 pendant les. Et puis ensuite, il y avait trois Peugeot 905 qui roulaient aussi, qui avaient de grandes chances aussi de gagner. Et à la fin, la deuxième Peugeot, qui était très proche aussi de nous, est rentrée en compétition avec nous. Et Jean Todt, qui était le team manager à l'époque, hein, qui est aujourd'hui le président de la FIA, qui a été team manager de Ferrari, enfin tout ça, enfin pour les milieux automobiles et pour un grand nombre de gens, c'est un nom très connu. Et on avait peur, nous, notre équipage, qu'ils cherchent à faire bénéficier des autres pilotes qui étaient un petit peu plus âgés que nous, de la victoire, quoi. Alors, bon, malgré tout, non, il n'y a pas eu de décision de l'équipe de dire on va favoriser plutôt cette voiture ou telle. Bon, ils ont laissé faire les choses et heureusement, 2 ou 3 heures avant la fin, ils ont dit on fige la situation. La numéro 3, c'est-à-dire ma voiture était en tête, elle reste en tête et vous allez gagner la course, sauf si bien sûr quelque chose se passe. Mais bon, là on a gagné la course et là quand on passe la ligne d'arrivée et qu'on monte sur la plus haute marche du podium et qu'on a genre, parce que c'est un public de 2 à 300 000 personnes, hein, c'est un truc de fou, hein, il y a des gens autour aussi loin que vous pouvez voir, vous voyez des têtes. Et vous êtes là, on vous donne la plus grande coupe, vous savez que vous avez gagné la plus grande course au monde d'endurance. Vous avez 25 ans, bon, vous êtes un peu paumé, quoi. Hein. Franchement, vous dites. Puis bon, il faut remettre ça aussi dans le contexte où vous avez une fatigue qui est complètement dingue. Vous réalisez pas, quoi. Vous réalisez le lendemain, quoi. Après, ce qui s'est passé, c'est tellement assommant que voilà. Et vous avez été invité par Jacques Chirac à l'Élysée. Ouais, bah quelques années après, effectivement, j'ai eu ce grand honneur. Je reste encore un des rares à avoir eu cette chance. Jacques Chirac était un président vraiment très sympa. Ouais, je le dis parce que je le pense réellement. Bon, évidemment, comme tout homme politique, ils ont tous en quelque sorte leur charme parce que c'est des gens qui savent vraiment très très bien parler. Et même pour certains, des fois, quand on regarde la télé, qu'on se dit celui-là, vraiment, non, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais quand on a la chance, c'est mon cas, d'avoir rencontré quelques présidents. C'est des gens d'une culture assez incroyable,
Et je me souviens parce que quand je l'ai rencontré la première fois, certainement il avait jamais dû entendre parler de moi ou savoir ce que je faisais là ou je sais pas quoi, mais enfin, parce qu'il y avait d'autres sportifs, on était quelques-uns, une personne lui a dit deux mots à l'oreille, il s'est approché de moi et j'ai eu l'impression qu'il savait tout de moi, quoi. Et bah, et donc, Ouais, non, mais ça, vraiment. ça en fait des choses, hein. Non, Mais non, ah ouais. ça en fait des choses. Mais là, aujourd'hui, vous avez 54 ans. Ça reste relativement jeune. On dit que 50 ans, c'est le nouveau 20 ans. C'est une phrase qu'on dit de plus en plus. Bah, Ouais. c'est bien, je suis content de l'apprendre. Ouais. Quels sont vos projets pour la suite? Je sais que beaucoup de personnes qui sont dans les milieux sportifs vont devenir consultantes ou faire des partenariats, des sponsorings ou entraîner des équipes. Vous, quelle est votre vision? Alors bon, en fait, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que être pilote, c'est un métier totalement qui vous accapare à temps plein et qui demande une activité physique. Hein. Vous devez être présent dans une voiture, piloter vous-même. Vous devez donc avoir toutes les facultés, les situations physiques, tout ça pour faire les choses bien. Mais évidemment, et plutôt malheureusement, avec le temps, ben, c'est pas que souvent à 50 ans on peut être encore drôlement performant physiquement, surtout parce que nous, pilotes, toute notre vie on a fait du sport, donc globalement on est plutôt en forme, quoi. Même encore aujourd'hui, bon, moi je suis pas un fan de footing, tout ça, j'en fais d'ailleurs quasiment plus, mais si je veux courir 10 km, sans problème, quoi. Et dans tous les domaines, je peux faire du sport, je garde une très bonne condition. Même si évidemment on peut penser qu'à 20 ans elle devait être quand même mieux, mais malgré tout à 50 ans on a une expérience qui permet aussi de compenser un petit peu cette perte physique, cette faiblesse, qui finalement dans la balance fait que vous restez largement compétitif. Mais le problème il n'est pas là, il est simplement attenant à l'âge lui-même, quoi. C'est que les gens, c'est dans leur tête, quoi. Ils se disent, celui-là c'est un vieux, quoi. Il est plus vieux que le team manager, il est plus vieux que le propriétaire, il est plus vieux que nos mécaniciens. Et puis, il y a ça, mais il y a aussi que les gens, il arrive un moment, ils en ont marre de vous voir, quoi. C'est terrible. Parce Mais qu'on peut vraiment, arriver alors, dans une pièce et il y a des gens qui vous aiment pas, vous savez même pas pourquoi. oui. Mais bon, c'est drôle parce que des fois, bon, on voit bien à la télé, il y en a des présentateurs qui durent énormément dans le temps parce que à l'inverse de peut-être du sport automobile, c'est que quand vous avez à la télé par exemple un public, bon bah c'est ce qui fait office, on s'en fout que vous avez pris 40 kilos, votre voix s'est modifiée, que votre corps, votre tête, ils s'en moquent. Du moment que vous avez votre public, c'est ce qui compte le plus. Mais en tant que pilote, c'est différent. Alors on met, mais bon, de toute génération, je vois, moi quand j'étais plus jeune, bah, les jeunes étaient mal vus en endurance. Puis après, il y a eu la période où c'était les vieux qui étaient bien vus. Enfin, c'était justement à cette époque-là, c'était les vieux qui étaient bien vus de ma génération en endurance. Mais moi, quand je suis vieux, c'était maintenant les jeunes qui étaient bien vus pour piloter. Quelque chose. Ouais, parce que les voitures ont demandé moins d'expérience à piloter, et donc les jeunes arrivaient à s'adapter plus facilement. Et puis, faut pas oublier que nous, on arrivait des fois sur des circuits. Personne ne les connaissait, quoi, hein, parce que beaucoup de circuits étaient en construction, tout ça, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien, C'était nouveau, ouais. donc on pouvait pas suivre, il fallait marcher à pied ou le faire en bicyclette ou je ne sais quoi, alors qu'aujourd'hui tout le monde arrive sur un circuit, on sait exactement avec les vidéos tel petit détail, tout ça, ça change tout, hein. Donc, du coup, vous avez un projet actuellement? Oui, effectivement, j'ai pas répondu à cette question. Ça m'intéresse. Oui, en fait, disons que ma carrière sportive professionnelle, je dirais qu'elle s'est arrêtée il y a à peu près 5 ans, disons. D'accord. Mais malgré tout, je continue à travailler pour des équipes. OK. Un peu plus à la carte parce que j'ai plus envie d'être 200 jours à l'année sur des courses, tout ça. Donc je continue à travailler, malgré tout, à générer encore un petit peu de revenus, mais rien à voir avec ce que je faisais quand j'étais pro. Mais par contre, j'ai effectivement une société qui gère des droits commerciaux pour quelques entreprises dans le domaine du partenariat publicitaire.
Et donc j'ai en quelque sorte réussi un peu à rebondir grâce à ça. Et ça me permet de toujours dans le domaine de automobile à réaliser des choses intéressantes et être au contact avec ce qui me plaît, soit en l'occurrence la course automobile. C'est top, c'est beau d'avoir toujours cette passion, parce que parfois il y a des personnes qui sont dégoûtées parce qu'elles sont restées trop longtemps ou elles ont été dégoûtées par certaines réalités de leur industrie, d'être toujours là et de continuer à aider des personnes, là pour le coup avec les partenariats. Oui, tout à fait. C'est bien sûr un échange, mais je fais aussi pas mal d'événements en tant que bon. J'ai dans cette société, j'organise aussi des événementiels. Donc bon, ça c'est commercial, hein, Bien sûr. c'est rémunérateur pour mon entreprise, mais aussi des présences bénévoles. C'était le cas il y a 15 jours où je le fais pour le plaisir des gens, de partager des idées, et parce que il y a beaucoup de gens qui ont rêvé aussi d'être pilotes, mais qui n'ont pas pu l'être. La course automobile intéresse énormément de gens. On n'a pas toujours l'occasion pour eux de se déplacer sur des meetings de course. Puis surtout sur les meetings de course, on n'est pas disponible, on ne peut pas vraiment parler les moments. Donc j'aime bien aussi partager mon expérience des fois avec dans certains meetings comme ça, certains événementiels totalement bénévolement. Et c'est intéressant un peu ce que vous faites aussi, de partager des points de vue comme ça, de rencontrer des gens. Des fois, il en sort aussi des choses intéressantes. Et c'est ça, parce que quand on est jeune, qu'on démarre quelque chose, si on commence déjà à se dire, oh là là, attention, je vais m'arrêter à tel point de vue, telle chose, eh ben, on va laisser filer beaucoup d'opportunités. Parce que moi, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, je peux dire que rien n'était réellement prévu, quoi. Vous n'avez pas eu un plan d'action, ok, à 25 ans, je dois avoir fait ça, à 30 Un ans, ça. peu, mais les choses, elles se sont réalisées en fait parce que j'ai rencontré une telle personne Des à une rencontres. soirée ou dans un aéroport. C'est très difficile. Aujourd'hui, envoyer un CV à quelqu'un, etc. Je veux dire, oui, ça peut encore marcher, bien entendu, mais c'est quand on est alors évidemment, quand on n'a rien, c'est très difficile. Je conçois bien quand on est comment dirais-je, qu'on n'a pas de CV, qu'on n'a encore rien écrit sur le CV, bien entendu, il faut aller se vendre, peu importe ce que l'on sait faire, ou il faut essayer de vendre ses qualités, il faut être disponible. Mais dans tous les domaines, de toute façon, les gens qui sont volontaires, les gens qui regardent pas leur montre, les gens qui vont faire plus que les autres, eh ben, ils se feront toujours repérer, ils trouveront toujours le moyen de faire des choses intéressantes. Et moi, je fais encore partie de cette catégorie de gens. Quand je me donne pour réaliser quelque chose, peu importe la difficulté, je tenterai toujours de la surmonter et je reviendrai, je me laisserai, même si je réussis pas la première fois, j'y retournerai jusqu'à ce que ça marche. Et puis voilà, c'est là que toute est la différence, c'est que bah, il y a des gens, ils se démotivent parce que voilà, ils l'ont pas fait du premier coup. Alors bon, moi, je veux dire, c'est pas non plus tellement mon cas parce que j'ai réalisé beaucoup de choses la première fois. Bon, j'ai des belles opportunités aussi, mais je veux dire, dans d'autres domaines, je sais être très volontaire et je n'en tire pas des conclusions trop hâtives quand ça se passe mal. Au contraire, même si, voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent penser du mal, vous trouverez aussi beaucoup de gens, je pense, qui vous diront le contraire. Donc bon, après, malheureusement, c'est comme dans toutes les sociétés, souvent, les détracteurs, c'est ceux qui se font entendre et pas les autres, parce que les autres, voilà, ils n'ont pas besoin de dire, oui, celui-ci est vraiment très très Bah bien, non, parce qu'il il a fait, travaille. voilà, il fait ceci, il fait cela. Et puis parce que les gens se plaisent pas à dire des bêtises sur les gens, on ne ressort aucun intérêt. Les gens qui disent du mal des gens, il faut peut-être s'interroger pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'ils ont quel est l'intérêt pour eux de dire ces choses-là. Donc bon, voilà. De toute façon, dans tous les domaines, dans tous les niveaux, il y a de la jalousie, il y a de la compétition, hein, dans ce domaine-là. Il y a énormément de compétition. Et tout, là, il y a une belle série justement sur Netflix, sur la Formule 1.
J'ai m'amusé à la regarder, mais on comprend bien un peu la compétition, parce que les gens, on le voit bien, ils ont un esprit assez amical entre eux quand ils se parlent, tout ça. Mais en revanche, dès qu'ils peuvent porter réclamation l'un contre l'autre, ou mettre une situation à leur avantage, ils vont le faire. Hein? Mais par contre, le lendemain, ils vont continuer à se serrer à la main, tout ça. Donc, bon, où est la limite dans tout ça? Quand les gens ils disent oui, il est un petit peu dur, ou on n'est pas ami avec lui, on peut pas le voir, mais bon, je veux dire, il suffit de. C'est pas nécessaire d'en faire autant pour dire je le déteste celui-ci, hein, franchement. Clairement. Christophe, le podcast s'appelle La Percée. La Percée, oui. Quelle est votre définition de percée? Oui, bah, je pense la même que la vôtre. Hein. D'accord. C'est-à-dire, selon vous? Quelle est ma définition de percée? Je pense que je pense que c'est un synonyme de réussite, quoi. Sinon percer un trou? Oui aussi. Oui, ça fonctionne aussi. Voilà. Non, le sujet du podcast. Mais bon, je crois que évidemment, quand on est jeune et à tout âge, de toute façon, on souhaite réussir. Et évidemment, à mon âge, ma carrière est faite. Oui. Mais la plus belle des réussites. Comme j'aime le dire, malheureusement, elle est difficile à réaliser quand on n'a pas une situation financière bonne ou stable. Mais la plus belle des réussites, c'est d'avoir une famille, c'est d'avoir sa maison. C'est voilà, c'est ça la plus belle des réussites. Parce que de toute façon, vous pouvez avoir des millions ou mieux, des milliards, être seul, être malheureux et pas savoir à qui traîner. Enfin, vivre, partager tout ce que vous avez. Donc et puis n'oublions pas une chose, parce que bon, moi je suis dans un domaine où voilà, on a eu l'occasion de se poser beaucoup de questions des fois sur la vie et la mort, que on est vraiment que de passage sur cette planète, et les gens ils vivent toujours en pensant que voilà, ils vont vivre deux fois, quoi. Mais non. Et bon, moi je vois déjà à mon âge, j'ai encore l'impression d'avoir 20 ans dans ma tête, tout est passé très très vite, mais je suis à un âge où bon, on a aussi de la famille qu'on a perdu, parce que forcément ils sont plus vieux, de maladie ou d'accident ou je ne sais quoi, et on relativise et on se dit bon bah finalement le plus important c'est quand même d'avoir, je pense, la santé, hein, dans l'ordre, voilà, tout part de là, hein, parce que si vous n'avez pas la santé, ça va être très très compliqué. Mais de toute façon, malheureusement, dans notre société moderne, sans argent, c'est pas possible non plus d'être heureux. C'est malheureux, c'est que... Mais oui, parce que complètement, parce que aujourd'hui, les jeunes, de toute façon, autrefois, je pense que les gens étaient moins attirés par l'argent parce qu'ils avaient moins besoin d'argent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout coûte affreusement cher. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans argent. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut être heureux dans la rue, vivre dans une montagne, je ne sais pas, moi je pense pas. Parce que même se soigner, si on est malade, ça va coûter cher. Donc tout ça, il faut les gens qui disent non, l'argent c'est pas important, mais je voudrais ne pas avoir à en parler, mais c'est faux malheureusement, parce que dans cette société moderne, il faut sans cesse payer une facture, tout le temps, dès que vous vous installez, vous avez un appartement, une voiture, et puis vous aurez en face de vous des gens féroces, hein, et ils vous diraient pas, ah oui, bah, je suis très amical, et je suis grand copain avec mon banquier, ou mon assureur, ou je ne sais qui d'autre, hein, donc c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi quand j'ai commencé, je pensais pas du tout à l'argent, j'en ai gagné un petit peu, je suis très heureux de ce que j'ai fait, je continue de travailler, je pourrais pas me permettre de m'arrêter de travailler, parce que d'abord, la première des choses avant même de gagner de l'argent, c'est aussi être en activité, faire quelque chose de sa tête, de ses bras, quoi. C'est très complexe. J'en reviens à dire qu'il n'y a pas d'école pour le succès. Il faut vraiment, voilà, le vouloir de faire quelque chose de bien. Quand on veut faire quelque chose de bien, le succès, il vous tombe dessus. C'est obligé, quoi. Moi, j'ai toujours dit, si vous aimez les choses, eh ben, le système vous le rendra. C'est obligé. Il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui correspond, qui représente cette définition de la percée selon vous, quelqu'un de vivant, quelqu'un de plus là, qui l'incarne?
Bah, disons que moi, dans mon entourage, comment dirais-je, comme je l'ai expliqué, c'est que moi je suis issu d'un milieu qui est plutôt basique, quoi. Donc, j'ai pas une famille qui a eu de, comment dirais-je, ma mère est italienne et j'ai énormément de respect pour ma mère parce que ma mère incarne un petit peu ce que je suis, enfin, je suis ce que ma mère est plutôt. Et voilà, on est opiniâtre dans le travail, on va vraiment se donner corps et âme pour réussir quelque chose et peu importe si ça va prendre du temps, quoi. Donc, oui, de toute façon, aujourd'hui, je suis un peu déçu quand je vois les grandes réussites financières, tout ça, parce que la plupart du temps, en quelques années, en quelques mois, parce que en peu de temps, les gens deviennent milliardaires en faisant des trucs. On voit la TikTok, on voit Amazon, on voit toutes ces grandes fortunes. Mais, on est très loin des gens qui savaient confectionner de leurs mains des choses magnifiques, fantastiques. Et c'est pour ça que je me suis toujours intéressé aussi un petit peu à l'art. J'ai chez moi quelques tableaux comme ça, tout ça, parce que j'aime ce qu'un artiste peut faire de ses mains ou aussi représenter avec son corps, quoi. Les gens qui dansent, les gens qui chantent, la musique, toutes ces choses-là. J'aime les gens qui gagnent, je n'ai rien contre eux, c'est très bien, ils exploitent un domaine. Mais aujourd'hui, jouer un peu sur Internet, en bourse, machin, se mettre à gagner des millions, mais on vit dans quel monde, quoi? Parce que ces gens-là, ils sont enfermés dans une pièce dans le noir, ils vont investir des sommes dingues sur des telles choses, et en quelques secondes, boum, ça va tomber. C'est complètement un peu irréel, quoi. Comme je disais dans un des SMS, un monde de fou, quoi. Parce que on perd complètement ses repères dans tout ça, quoi. Parce qu'on a une idée de se dire, bon, ok, réussir sa vie, il faut aussi réussir professionnellement, mais réussir professionnellement, c'est se lever tous les matins, aller bosser sérieusement, accomplir sa tâche, revenir le soir et recommencer le lendemain. Mais aujourd'hui, c'est même pas ça. C'est aujourd'hui une personne qui va travailler 2 heures dans la journée, peu importe où elle va se trouver, et puis voilà, des gens sur YouTube, des vidéos. Aujourd'hui, il y a tellement, comme vous parliez des coachs, des influenceurs, mais ça veut dire quoi? Je veux dire, je critique pas, comment dirais-je, des professions que je connais mal, et je sais qu'il y a des gens qui, il y a un public pour ça, qui a besoin de suivre ces gens-là. Bon, pourquoi pas? Moi, je crois pas le faire, mais pour autant, ça me dérange pas que ça existe. Mais voilà, c'est vraiment un nouveau monde, et tout est repensé, quoi. Donc, je pense que pour vous autres jeunes aujourd'hui, c'est là-dedans qu'il faut s'investir, parce que franchement, la vieille méthode, je dis pas qu'elle marche plus, mais c'est plus compliqué, quoi. Si on veut ouvrir un commerce, vendre des, je sais pas, n'importe quoi, des beignets ou je sais pas Ah quoi. ouais, il va falloir être créatif. Je pense. Il Voilà quoi. va falloir être créatif. Waouh. Bah, en tout cas, Christophe, merci. Je Merci. voudrais vous féliciter pour 3 choses. Déjà, pour l'urgence de vivre, d'une certaine manière. Parce que quand on fait un métier où on risque autant sa vie, et pendant autant d'années, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de plus fort, quelque chose de plus beau qui amène à défier la vie, à défier la mort, à défier le risque, à défier le danger. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc c'est quelque chose qui est inspirant et qui montre aussi que on peut profiter en vivant dans l'instant présent, et que parfois c'est la seule chose qu'on a, et que l'autre virage, il peut se passer quelque chose, que là on peut être là tout de suite ensemble, et que bon, on veut pas, hein, mais que je sorte et qu'il m'arrive quelque chose. Et ça, on peut trop avoir tendance à l'oublier. Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de personnes pensent qu'elles vont vivre une deuxième fois, alors que c'est faux. Et vous, justement, en faisant ce que vous avez fait, en gagnant aussi, bah, vous montrez que il faut vivre, quoi, et qu'il y a une véritable urgence. Totalement. C'est un beau mot de la fin, je dirais, parce que effectivement, le plus beau dans tout ça, c'est quand même, voilà, de profiter de notre passage sur Terre, quand même, d'être heureux, hein. Et c'est tellement facile de détruire, tellement difficile de construire. Voilà. Clairement. Bah, merci beaucoup, Christophe. Très cher auditeur, si tu es resté jusqu'au bout, très chère auditrice aussi, je t'invite à écrire 24 heures, pourquoi pas.
24 heures en commentaire, comme ça je saurai que tu es arrivé jusqu'à la fin. N'hésite pas à nous écrire le passage qui t'a le plus inspiré, qui t'a le plus impacté, ce que tu as pensé de l'entretien. Christophe, est-ce qu'il y a un endroit où on te suit sur les réseaux sociaux ou... Oui, Facebook, donc Christophe Bouchu, pardon, Christophe Bouchu Racing Driver, voilà, c'est là-dessus qu'il faut qu'on collecte les informations pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. Très bien, ok. Bah, merci beaucoup Merci. Christophe, très cher auditeur, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. Dans la boîte. Cool. C'est bien enregistré. Quel...